Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Savoir. Ils sont partout. Comment ils sont tous? Qui? Oh mon Dieu! À Washington, certains délégués exigent une intervention militaire au Mexique. Et ils sont soutenus par la majorité de l'opinion publique. Mais le gouvernement mexicain rétorque que cet acte serait considéré comme une déclaration de guerre. Le président se trouve dans une situation plus que délicate. Une guerre ouverte avec le Mexique est hors de question. Pour autant, 7 autres agents fédéraux sont morts. Et ça ne peut plus durer. En toute logique, l'enquête devrait être pour le FBI. La DEA est déjà suffisamment compromise. Le FBI ? Nous enquêtons sur le cartel Mendoza depuis maintenant plus d'un an. Ah oui, on a vu les résultats. Bon, ça suffit. Ces petites guéguerres entre agences doivent cesser. C'est pourquoi j'ai fait appel à Shane Dixon, l'adjoint du procureur. Elle a créé cette unité spéciale et va donc la diriger. Mademoiselle Dixon. L'agent Stone enquêtait sur la vente d'armements militaires au cartel Mendoza à Juarez. Comment se fait-il qu'on soit pas au courant ? C'est de l'histoire ancienne, agent Guerra. Les Mendoza viennent de s'installer à Juarez. On ne sait pas grand-chose sur leur chef, Juan Mendoza, mais leurs opérations prennent une ampleur inquiétante. Drogue, armes, jeux, prostitution. On n'a jamais vu un nouveau cartel se développer aussi rapidement. Oui, ce qui nous laisse à penser qu'ils ont peut-être infiltré certaines agences fédérales du maintien de l'ordre. Cet attentat n'avait rien d'un accident. Ils savaient exactement où et quand frapper. C'est la raison pour laquelle ni la DEA ni le FBI ne dirigent cette opération. Notre équipe est totalement autonome. Mademoiselle Dixon, je dois me rendre à une autre réunion. À partir de maintenant, tout dépend de vous. Ne merdez pas. Laissez-moi faire les présentations. Voici l'agent spécial Eddie Guerra. Il a intégré la DEA peu après son retour de l'opération Tempête du Désert. Il détient le record de la plus grande saisie de drogue jamais effectuée au sud de la Californie. C'est aussi le seul agent de la DEA impliqué dans l'enquête qui a survécu à l'attentat. L'agent spécial Kimberly Evans, FBI, c'est le plus jeune agent récompensé de la médaille du mérite du FBI. Elle a appréhendé seule un tueur en série responsable du massacre de 32 femmes. Durant l'opération, elle a réussi à sauver la vie de sa dernière victime. Je l'ai enrôlée dans cette unité spéciale en raison de ses contacts avec les gangs criminels de Los Angeles, liés au cartel. Donc, vous êtes en charge de l'ensemble. Mais qui dirige sur le terrain ? L'inspecteur Benjamin McCall. Il travaille à la brigade criminelle de la police de Los Angeles. 30 ans de service et 2 fois décoré de la médaille du mérite. Un inspecteur de la crime ? Excusez-moi, madame, mais je pense que cette affaire dépasse ses compétences, non ?
Pas du tout. La fille de Stone, Jessica, a contacté l'inspecteur McCall au lendemain de l'attentat. Elle lui a confié que son père avait été menacé la veille. En résumé, nous avons un suspect et un témoin. Le suspect s'appelle Antonio Alvarez. Pourquoi en avoir fait part à la police de LA au lieu de nous contacter ? Voilà pourquoi. Eh oui, agent Guerra. Ils ont servi au même moment au Vietnam. McCall les connaît tous les deux. Donc deux d'entre eux sont devenus flics et l'autre escroc. Le mot est faible. C'est un enfoiré. Agent Evans, agent Guerra, laissez-moi vous présenter l'inspecteur McCall. Vous aurez accès à toutes les ressources matérielles nécessaires, mais en termes d'effectifs, vous êtes seul. N'espérez aucun soutien des agences fédérales. Nous ne pouvons faire confiance à personne, et je serai votre seul interlocuteur. Vous allez frapper le cartel Mendoza aussi fort et aussi durement que possible. Retrouvez et arrêtez les responsables de l'attentat, et protégez le témoin. Sans elle, nous n'avons rien. Et si on découvre que le cartel a infiltré le FBI ? Ou la DEA ? Alors cela donnera une raison aux radicaux d'envoyer les militaires au Mexique. Prions pour que ce ne soit pas le cas. Parce que si on en arrive là, de nombreux innocents vont souffrir. Nous devons prouver à nos concitoyens qu'aucun salopard d'étranger ne pourra agir sur notre territoire en toute impunité sans se faire allumer comme un sapin de Noël. J'aimerais lui dire adieu. S'il vous plaît. On peut pas prendre ce risque, désolé. C'est trop dangereux. Vous souvenez-vous de ce que votre père et Alvarez se sont dit ? Ils se disputaient. Ils criaient à propos d'un deal de 50 millions de dollars. Dès qu'ils m'ont vu, ils n'ont plus rien dit. Et Alvarez a commencé à le menacer. Pour lui faire peur ou pour le soudoyer ? Les deux. Le fric ou la mort ? Oro o la chingada. Sur quelle affaire travaillait Stone exactement ? Le cartel achète de l'armement militaire. Lance-grenades, missiles anti-chars, lunettes de vision nocturne. Stone essayait de trouver leur fournisseur. Un char à Abrams, ça coûte pas loin de 50 millions. C'est probablement Alvarez, l'intermédiaire. Vous n'avez aucune idée de l'identité du fournisseur ? Non. Alors le contrat est sûrement déjà signé, ma belle. Peut-être pas. Aranha a récemment inondé la ville avec une tonne de nouveaux produits. Aranha ? Ils abandonnent Los Angeles ? Dans le mille, ma chérie. Il deal pour le cartel. Peut-être que Mendoza essaie d'arrondir ses fins de mois avec ce trafic d'armes. J'ai appris qu'ils vendent aussi leur cam aux Rolling 50s. Si c'est vrai, alors on a peut-être tout intérêt à saboter leur opération et foutre un beau bordel. Si les gros bonnets prennent la mouche, ils finiront bien par se montrer. Avec du bol, on pourra même alpaguer le salopard qui a posé cette putain de bombe. Jess, ça va ? S'il vous plaît, laissez-moi lui dire adieu. Stone travaillait pour la police de Los Angeles avant d'entrer au FBI. Il avait beaucoup d'amis. Laissez-moi y aller. Ça suffit. Et où est-ce que vous m'emmenez ? Dans un endroit sûr. Vous allez rester avec moi ? Vous serez protégé. Nous, on va débusquer l'araignée jusque dans son nid. Et je crois savoir comment. Dites voir. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Pensez-vous que cette unité d'intervention interagence saura se montrer meilleure que les autres ? Absolument. Le président est fermement décidé à stopper la montée de la violence liée à la drogue. Le gouvernement mexicain nous a assuré de sa pleine coopération. Rebecca Cuellar du LA Times. Pensez-vous que cette enquête pourrait annoncer une intervention militaire américaine au Mexique ? À ce stade, nous ne pouvons exclure aucune possibilité. Le président m'a conféré les pleins pouvoirs pour parvenir, par tous les moyens, à traîner en justice les individus menaçant notre mode de vie. Des rues de Los Angeles, aux montagnes du Nouveau-Mexique, en passant par le Rio Grande, nous traquerons ces malfaiteurs.
Nous saisirons leurs drogues, gèlerons leurs fonds, détruirons leurs arsenaux et les pendrons haut et court comme le méritent les hors-la-loi. C'est la guerre. Une guerre déclarée contre le cartel Mendoza. Les armes sont dans le coffre. Prenez ce que vous voulez et montez dans la voiture. Belle journée pour une balade, hein. Vos armes sont chargées, prêts à y aller. Alors en voiture. Je devrais vraiment sortir plus souvent. Non mais regardez-moi ces montagnes. Vous avez déjà vu autant d'arbres? C'est l'endroit idéal pour planter un champ de marijuana. Sequoia National Park. Comment ça se fait que personne à la DEA n'ait jamais rien dit au FBI? Vous avez la trouille comme Big Laveda. Donc vous foutiez tout en l'air. Et à votre boss, ça lui fait rien si on bougeait sur la terre? Ils nous en voudront pas de cramer cette saloperie. Non, ils mettront ça sur le camp d'Aranya. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Donc on crame les champs de bœufs du lac Loco et on laisse des indices impliquant Aranya. Vous pensez vraiment que les bateaux s'en prendront à Aranya? Si quelqu'un venait chez vous pour en brûler pour 2 millions, ça vous donnerait pas envie de vous venger? Ils vont y croire. Doucement, doucement, on approche. C'est ici, là, à droite. Vous êtes sûr de connaître le chemin? Écoutez, j'ai vu les photos satellites. C'est le chemin vers le premier champ. Voilà l'entrée, on dirait. Les voilà. On dirait que mes indices sont pas si nazes après tout. On peut essayer de faire ça sans tirer dans le tas? Hé hey! Putain, qui... Chino! Réveille-toi! Putain, ces fils de pute! Enculé de fils de pute! Chier! Ces enfoirés commencent à me les briser. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Laissez-les. Ils n'iront nulle part. Ah, et c'est loin. Tout là-haut. On devrait apercevoir le premier champ. Allons-y, les comiques.
odieux de merde. Je vous l'avais dit. Il y a un sacré paquet d'herbes, là. Vous pensez qu'on peut tout brûler? Il faut juste cramer de quoi faire chier les vatos. Vous voyez ces tentes? C'est sûrement là qu'ils stockent leur récolte. Si on en flambe deux, la fumée sera visible à trois bornes. L'observatoire d'incendie de Bald Mountain alertera les unités parachutées. Et le service forestier s'occupera du reste. Allons-y! Putain, t'es qui, toi? Saloperie de merde! On se l'est fait! T'as emmerdé le mauvais gars! Visez, merde! J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. On se crame ses tentes. Guerra, vous avisez pas de respirer ça. Il est déjà défoncé. Bon Dieu! Allez, on tag et on se tire d'ici. Les connards. On retourne à la voiture avant de se faire repérer. Où est le deuxième champ? Pas loin. On crame avec tout le reste. Ils ont peut-être un héliport. Moi, c'est ce que je ferai à leur place. Vite fait, bien fait. Où est-il, là? Va
près de la rivière, pas loin. De là, on prend encore une petite rondelle. Descendez-moi ces salopes. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Vous pouvez aussi nous en laisser. Attention ! S'éclater cette saison. Oui, bon, je veux pas rester pour le savoir. Vite! Montez, allez! Les Vatos seront pas surpris de nous voir. On dirait qu'ils savent qu'on est là. On s'en tient au plan. Qui d'autre pourrait conduire comme ça? Descendez-les! Putain de merde, ils me tirent dessus! Descendez-les! Putain de merde, ils me tirent dessus! Vous le voyez?
Génial. On a de la visite. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. La ferme. Quelqu'un approche. Eh, je sais pas, mec. Il répond pas. Ben, rappelle ! C'est qui ces enfoirés ? On va bientôt le savoir. Qui aurait les couilles de nous poursuivre ? Regarde si la route est dégagée. Les voilà! Oh la pute de sa mère! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Thank you.
Ces enfoirés commencent à me les briser. Cramez-moi cette merde! Bien, on tag. Faites le tag, on se casse. McCall. Inspecteur, c'est à propos de l'agent Guerra. J'écoute. L'inspection des services a ouvert une enquête sur lui. Voyez-vous ça? On le soupçonne de piocher dans les stocks de drogue saisis et de refourguer la cam dans la rue. Apparemment, il aurait des dettes de jeu. Et donc? Donc, on pense qu'il a également un rapport avec l'attentat contre la DEA. Mais sans preuve. Tout juste. On a besoin de preuves tangibles. Alors surveillez-le. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. L'agent Barresi de l'inspection des services vous contactera. Si vous apprenez quelque chose, tenez-le au courant. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de ce genre. C'est l'heure de se faire ces enculés. Je vais te faire la peau. Vous ratez pas souvent, hein. Yeah.
que c'était le dernier. On a de la visite. Tirez, bordel! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Evans! Merde. Putain. Vous vous en... Tout droit. Hé, du con. Sans nous, vous seriez à la mort, je vous signale. T'as emmerdé le mauvais gars! Les laissez pas sortir! Guerra, par ici! Hé, hey, Jack, montre-toi! Passez par la droite! Tout droit! C'était le dernier. Bon sang, vous avez vu ça? Merde! Quelqu'un droit devant. Alors ça, c'est ce que j'avais... J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de ce genre. Thank you.
sans nous, vous seriez à la morgue, je... Mettez-vous à l'abri! Mettez-moi ça! Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus! Voilà la baraque. Faites pas de bruit. Attention. Descendez-les! T'es mort, t'entends? Mort! Je crois qu'il y a du monde de l'autre côté. Vous êtes prêts à les surprendre? Attendez mon signal! Mais vous êtes où, putain, ma call? Allez! C'est parti. Il doit y avoir une planque d'armes quelque part dans le coin. Trouvez-nous quelque chose pour buter ce fils de pute. Flinguez-le! Attention!
c'était quoi? Hélico! Doit y avoir une planque d'armes quelque part dans le coin. Trouvez-nous quelque chose pour buter ce fils de pute. Mettez-vous à l'abri. Ces merdes. Flinguez-le. Attention. Merde. Joli. Il faut se casser avant que les flics se pointent. Allez! Aranya a foutu en rogne pas mal de monde aujourd'hui, hein? Donc vous êtes sûr qu'ils feront porter le chapeau à Aranya? Ouais. Ces gars, c'est pas des lumières. Dès qu'ils verront l'araignée, ils vont chercher à se venger. Maintenant, il va falloir emmerder un des associés d'Aranya. Un type avec qui ils ont l'habitude de bosser régulièrement. Je crois qu'il parle de votre famille, agent Evans. Eh, ces enfoirés font pas partie de ma famille. Les Rolling 50s trafiquent de la drogue pour le compte d'Aranya. C'est pas la bande de votre petit frère? Il nous dira rien du tout. Il veut rien avoir à faire avec moi. C'est pas étonnant. Vous devez bien avoir quelque chose à nous dire sur leur opération. Enfin merde, vous avez grandi là-bas, non? Eh bien, ils ont une planque. C'est là qu'ils dealent. Enfin, ils en avaient une en tout cas. Très bien, parfait. Enfin, je veux dire, si Aranya voulait les arnaquer, en récupérant les drogues qu'ils leur ont déjà vendues, ça les ferait bien chier, pas vrai? Je veux juste... Quoi? Je veux pas qu'il arrive quelque chose à Deon. On y fera attention à votre petit frère. Vous en faites pas. La DEA s'est refusée à tout commentaire, mais les autorités locales nous ont informé que les mystérieux incendies déclarés dans la Sequoia National Forest ont débuté dans un gigantesque champ de marijuana dissimulé au cœur des cimes montagneuses. Un appel a été passé aux pompiers locaux pour les avertir de l'incendie avant qu'il puisse se propager vers la forêt environnante. Des corps calcinés ont été retrouvés parmi les cendres, et les enquêteurs du service forestier estiment que l'incendie provient d'une querelle entre gangs criminels sud-californiens impliqués dans le commerce illégal de drogue.